fan de TVA et on croit bien l'avoir trouvé. Il a à peine 5 ans de plus que TVA. Accueillons Normand Daou! Normand, parlez-nous un petit peu de vous. Je cultivais le blé d'Inde en Inde. C'est pas payant, mais je suis là ici pour gagner ma petite Julie. Puis je vais en avoir la France. Mais pourquoi vous étiez plus, mettons, TVA que Radio-Canada? J'étais plus TVA à cause que chez nous, TVA prenait mieux, le plus clair, la poste. Tantôt TVA, pour les plus jeunes, ça s'appelait aussi le Canal 10. Bon, ça a commencé jeune, cette passion? Oui, c'est de tout mon tout jeune âge, petite Julie. Ça a commencé à la jeunesse, mon adolescence, 8 ans. J'ai commencé à capoter bien net sur la TVA. Puis là, quand la télé couleur est arrivée... Oui, quand la télé couleur est arrivée, on l'a reçu, ça l'a fait livrer. La télé couleur est arrivée chez nous. Ça a été un événement fabuleux. Bonsoir les beautés du cœur! Bonsoir! La beauté numéro 1, Pierre Bruno! Bonsoir! Tout de suite, j'étais embauché le vendredi et le lundi, je faisais les nouvelles. Et 35 ans plus tard... Je suis encore le même homme, même poste. C'est un monument, le monument. Je voulais des valises, puis alors, pour pouvoir avoir mon cabanon dans la cour chez nous, tout en haut. Ouais. Allô, Normand? Ouais. Comment ça fonctionne? 26 ouais. Beautés qui tiennent 26 valises, oui. Qui contiennent des montants différents les uns des autres. Qui sonnent les beautés, vous le savez pas, hein? Non. Dans quel montant et dans quelle valise? Même moi, je sais pas. Okay. Puisque les montants sont placés au hasard par les vérificateurs de chez Raymond Chabot Grand Thornton. Et il y a une de ces valises qui contient une surprise, mais personne ne sait dans quelle valise et personne ne sait ce que c'est puisque c'est une surprise! Mais il y a une chose que l'on sait au banquier Fête TVA, c'est qu'une de ces valises contient un demi! Des montants qui vont de, c'est une nouveauté cette année, 400 000 $ Alors, il y a maintenant 400 000 $ sur le tableau. C'est à toi, Normand, de choisir ta valise et on souhaite qu'elle contienne évidemment un demi-million de $ Numéro 17, ça me rappelle. La seule façon de repartir avec un demi-million, c'est de toutes les ouvrir. Mais vous pouvez toujours la vendre au banquier quand il va vous faire une offre que vous jugerez satisfaisante. On commence tout de suite par ouvrir 6 valises, une à la fois, Normand. Comment on va ouvrir la 19, parce que ça me rappelle les 19... Charlie Thérault! Charlie! Ben c'est ça, là moi je pense que je vais ouvrir la 12. Ben ça me rappelle un petit peu 12 fois que j'ai oublié mes clés. Ils sont belles! Dieu, vous allez m'aimer. Hey, mon travail, yes sir! Trois valises à ouvrir! C'est un chiffre chanceux pour moi parce que j'ai pas de 13 ans, la journée dans l'Halloween. On va voir si votre destinée vous fait chaîne ce soir. Je vous en souhaite un petit pour la 21e télé. Avant de la télé, on se dit, il voit. La reste d'eux, ouais. On va trouver la 7, lui, je fais gueuler, ouais, ça roule. Au moins la 7, ma petite coquille là. Je te souhaite bonne chance, frère. On va ouvrir la carte, je vais dire. Voilà, ça. Allô? Coudon? Y'a-tu quelqu'un qui a appelé un taxi? Hey, ça fait drôle de voir autant d'artistes habillés propres. Ça, c'est rare. C'est très rare. Et on a un nouveau banquier ce soir, hein? Ouais, tu cours. Mais j'ai toute une offre à faire pareil, là. OK. Pas comme les Américains, ça, là. 38 000 cash, ça vaut 116, près. Ah, ben là, on va refuser. J'y ai pas pour l'oyabre. Ben, on va ouvrir la 14, oui, monsieur. La 14, c'est la 4. Ouvre la valise! Ça bougera pas, ben. Ah. Ben, c'est 110 000. Normand Daou, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Acceptée! La semaine prochaine au banquier, c'est la revanche des berceaux. Allô, Marie, la Starbucks, là! Le jeu le plus puissant de la télé, dimanche prochain, 19h30. Allô, la
Mesdames, bienvenue dans l'aventure. Ce dimanche, les filles, vous devez choisir. Je peux attendre. Ils devront vous séduire. Vous n'en choisirez que cinq. Vous pourrez évidemment les entendre, mais vous ne pourrez les voir. Un tapis rouge à l'aveugle. La grande première d'Occupation Double à Whistler, ce dimanche, tout de suite après le banquier. Une présentation de Mazda et d'Ameublement Tanguay.